Salut, c'est Shep. Bienvenue dans cette nouvelle SDRJCE TV. Aujourd'hui, un nouvel épisode du Retro Challenge Gaming, ce challenge Retro Gaming que je m'étais fixé, qui consistait à rejouer tous les scénarios depuis le début avec la collection uniquement disponible à l'époque où le scénario est sorti et en jouant le héros sorti dans le paquet du scénario. Donc ici je suis toujours au jeu de base et donc je m'étais fixé un sacré challenge de passer les 3 scénarios du jeu de base avec 9 héros différents. J'ai malheureusement échoué sur Voyage au long de l'Andouin avec un deck qui certes n'était pas le meilleur deck qu'on puisse faire avec une boîte de base pour ce scénario, mais voilà, les 3 meilleurs héros, la meilleure composition de héros pour ce jeu de cette boîte de base, hein, donc Aragorn, Théodred et Owyn, généralement la composition qui est la considérée comme étant la meilleure, eh bien je l'ai gardé pour ce scénario-ci, pour le plus difficile des 3, pour l'évasion de Dol Guldur. Et donc, j'avais dû tester des choses avec d'autres héros. Ça aurait pu, mais ça n'est pas passé sur Voyage au long de l'Andouin. Bien, donc maintenant, j'attaque le scénario le plus dur de cette boîte de base, qui est, disons-le tout de suite, qui est extrêmement difficile à réussir en pur solo, c'est-à-dire avec un seul deck. C'est vraiment extrêmement compliqué parce qu'on a un héros de moins, on ne peut mettre qu'un allié par tour, il y a 3 cartes au départ dans la zone de cheminement, donc c'est très 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 compliqué. Et peut-être que vous, si vous n'avez qu'un jeu de base, vous avez été peut-être dégoûté du jeu par ce scénario en particulier, qui vous semble totalement infaisable, et c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas spécialement l'habitude du jeu et l'habitude des jeux de cartes en général. Donc ce scénario est très très compliqué, et donc je vais essayer de le gagner devant vous, mais soyons tout à fait honnêtes, même si je pense que j'ai un deck qui fait partie des meilleurs decks qu'on puisse avoir avec un jeu de base sur ce scénario-ci, il faut de la chance. Il n'y a rien à faire, il faut de la chance, il faut une certaine chance au tirage du renforcement de départ, hein, donc de la mise en place. Il faut une certaine chance aussi au niveau du héros prisonnier. Et il faut aussi, mais ça comme dans toutes les autres parties, mais en particulier ici, de la chance au niveau de la pioche pour avoir les bonnes cartes au bon moment. Donc beaucoup beaucoup de conditions donc pour réussir ce scénario extrêmement difficile. Donc je vais, et en plus ce scénario peut très très vite se terminer, c'était son avantage. Généralement, dès la mise en place au tour 1 et 2, on sait si on a une chance ou si on n'en a pas. Donc, je vais essayer 3 fois maximum, 3 tentatives maximum sur ce scénario, qui seront toutes, à mon avis, à la volée sur une vidéo, parce que quand on perd ce scénario, généralement, c'est en début de partie. Et une fois qu'on arrive à tenir un peu, ben là, il y a de réelles chances de victoire. Donc voilà, on va voir. Alors rappelons tout simplement que la seule liberté que je me suis pris sur le challenge, c'est d'avoir tout en x3. Donc certes, je ne joue qu'avec les cartes du jeu de base, mais toutes ces cartes sont en 3 exemplaires si je le désire, hein, ce qui est tout à fait autorisé par les règles. Mes decks sont légaux, ce sont des decks de 50 cartes. Si vous n'avez qu'une seule boîte de base, eh bien j'ai envie de vous dire, faites-vous des proxys. Faites-vous des proxys pour les quelques cartes qui sont vraiment nécessaires en 3 exemplaires dans un deck pour augmenter leur probabilité de sortie. Je pense à l'intendant du Gondor, mais il y en a d'autres, mais je pense surtout à l'intendant du Gondor, qui vont vous permettre évidemment de considérablement stabiliser vos decks. N'achetez pas forcément une deuxième boîte de base. Aujourd'hui, ça n'en vaut peut-être plus forcément la peine d'acheter une deuxième boîte de base, tellement il y a du contenu sur ce jeu et tellement vous pouvez obtenir de bonnes cartes joueurs par ailleurs. Mais voilà, faites-vous au moins des proxys pour pouvoir avoir des decks qui tiennent la route, des decks Lego déjà, parce que sans proxy, c'est quasiment impossible de tenir le 50 cartes pour un deck. Et alors votre deck devient quand même très très peu compétitif. Donc ici voilà, je me suis permis de mettre des cartes en 3 exemplaires, même si elles ne le sont pas en 3 exemplaires dans une seule boîte de base. Moi pour la petite anecdote, j'ai acheté 3 boîtes de base, mais je suis un grand malade, comme vous le savez. Donc voilà. Bien. Allons-y, donc première étape, la main de départ. Et oui, le problème c'est qu'on ne sait pas qui va être prisonnier. Alors Faramir, c'est plutôt
Bonne chose. L'attaque furtive, c'est plutôt une bonne chose également. Marché du cours d'argent, c'est moins bien. Sacrifice héroïque pour de la pioche. Deuxième attaque furtive, pas de Gandalf. Pas de Gandalf. Il n'y a pas beaucoup d'alliés là-dedans, c'est un peu cher. Mais il y a Faramir, il y a de la pioche. Le problème, ouais. Ouais. Alors vous allez me dire, je peux toujours espérer piocher des alliés après. L'attaque furtive, ça peut dépanner, hein. C'est pas que avec Gandalf, hein, même si Gandalf, ça aide bien. Mais là, en l'état, c'est pas super, super utile. Il n'y a pas de génération de ressources. Bon, il y a Faramir, il y a de la pioche, mais il n'y a pas de génération de ressources. Il n'y a que deux alliés qui coûtent assez cher. Si jamais j'ai un allié, un héros commandement qui est emprisonné, surtout si c'est Théodred, ça va être problématique. C'est pas suffisamment. Je suis pas suffisamment sûr de pouvoir développer mon jeu avec cette main. Donc je vais. En plus, je n'avais pratiquement que des cartes commandement. Je vais retenter. Je vais tenter un mulligan. Alors, il faut pas hésiter ici, hein. Il vous faut absolument une bonne main. Voilà. C'était pas une mauvaise main, mais c'était une main prometteuse, mais qui n'offrait pas de garantie. Et les deux attaques furtives, bah, peuvent rester assez inutiles si vous n'avez pas d'alliés en main. C'est tout de suite beaucoup moins utile l'attaque furtive. On remélange bien. Et on va piocher une nouvelle main. Celle-là veut vraiment venir dans ma main. Allez, hop. Un allié. Intendant du Gondor. Pas mal. Pour le Gondor. Pierre de Celebrion. Pas mal aussi sur ce scénario. De l'abbesse menace. C'est bien, même si c'est cher. Un autre allié. Ok. Ok, on va faire avec. Ça, c'est la main de départ. Alors, deuxième étape, la mise en place. Le Nazgûl, il en est des deux côtés, il ne rentrera qu'à l'étape 2. Les trois cartes objectifs, révélez-les, placez-les dans la zone de cheminement. Alors, rappelons-nous que les cartes sont révélées une par une. Donc, je commence par révéler la torche du donjon qui va être protégée par. Alors là, c'est vraiment ici que tout se joue. Et je vais la jouer un peu suspense parce qu'en fait c'est déjà un moment décisif de la partie. Aïe aïe aïe! Oh, c'est mauvais ça. Lui a 3 de menace. Ça, c'est pas bien. Bon, la carte de Gandalf. C'est pas encore catastrophique s'il n'y a que celle-là qui pose problème. Protégé par. Les orques de Dol Guldur. Voyons le bon côté des choses. Je n'ai pas de personnage engagé dans la quête. Il n'inflige pas son dommage. Bon, ça fait déjà 5 dans la zone de cheminement. Troisième carte. Le geôlier des cachots. 6. Ah, là, 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 là. Il a 38 de menace. C'est pas vraiment une menace, mais 6 dans la zone de cheminement pour démarrer. C'est dur. Alors, troisième étape. Un héros prisonnier. Alors si c'est Eowyn qui est prisonnière, autant vous dire tout de suite que je recommence direct la partie parce que je ne gagnerai jamais la quête. C'est Eowyn. Magnifique, tout va bien. C'est vraiment le début les plus parfaits qu'on puisse imaginer. Bon, allez, on va quand même essayer. Mais ça va être très compliqué, autant vous le dire tout de suite. Évidemment, je vais commencer à piocher du bleu. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Bon, eh bien, l'intendant que je vais mettre sur Aragorn, que je vais activer, je vais jouer la pierre de Celebrion, pour donner un petit peu de quête à Théodred. Je vais engager dans la quête. 3, une ressource donnée par Théodred à Aragorn que je dépense immédiatement pour le redresser. 3, il y a déjà 6 dans la zone de cheminement. Allez! Punaise! Bon, ben c'est fini. C'est fini tout de suite. Hein. Alors là, vraiment, vraiment, c'est une catastrophe. Roi araignée, évidemment. Tout va bien. Donc j'ai dû réincliner Aragorn. Ok, donc 3 contre 3. Je suis à 3 contre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à un échec de quête de 5.
Bon, tant que j'y suis, hein, je vais voyager quand même vers le col du Nécromancien, hein, pour vider un petit peu la menace en ZC, ce qui veut dire que je vais me défausser de 5 cartes. 1, 2, 3, de 2 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-ci, et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-ci, je me défausse donc de ceci. Je la continue vraiment pour la forme, hein, mais vous allez voir que ça va être vite terminé. J'ai deux ennemis qui m'engagent. J'ai eu un échec de quête, donc le geôlier m'oblige à mélanger dans le deck de rencontre une carte objectif non récupérée dans la zone de cheminement. Ce qui fait que la partie peut devenir très longue, parce que si cet objectif part en effet d'ombre, je devrais attendre que le deck soit remélangé, deck de rencontre soit remélangé pour pouvoir espérer la repiocher à nouveau. C'est très mal foutu. Il n'y avait pas pensé. Je n'arrive pas à croire qu'ils n'avaient pas pensé à ça, les concepteurs du jeu. Ils n'avaient pas pensé au fait qu'un objectif remélangé pouvait être défaussé en effet d'ombre. Enfin, chaque chose en son temps. Là, j'ai quand même deux défenses, deux attaques sans défense. La première, il n'y a pas d'ombre, je mets deux dégâts sur Théodred. La seconde, il n'y a pas d'ombre, je mets trois dégâts sur Aragorn. Autant vous dire que voilà quoi. Hein. Il n'y a plus qu'un dans la zone de cheminement. Fin du tour. On redresse tout le monde, j'augmente la menace, je passe à 35 déjà. Une deuxième pierre de Cénébrion tout à fait inutile. Un, deux, l'intendant, hop, je mets un garde de la citadelle. Alors, bon, ben, deux défenses à faire, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Réussir à faire deux défenses. Alors, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Et il faut tuer, voilà, obligé de tuer dans la foulée. On va prendre un risque, hein, défendre avec Aragorn, je défends le Lord de Dol-Guldur avec... Ah mais non, ça n'ira pas parce que Théodred il n'attaque qu'à deux. Donc je suis obligé de garder Aragorn. Donc je défends lui avec lui, lui avec lui. Et donc il n'y a que Aragorn qui va en quête et qui se redresse. Donc deux contre un. Hop. Maudit un renfort. Voilà, il va m'engager aussi. Bon là c'est terminé, terminé. Donc je suis à deux contre quatre. Un, deux. Il m'engage au combat, je ne pourrai pas défendre les trois, c'est fini, hein. C'est fini, fini, fini. J'abandonne, je jette l'éponge, aucune chance de m'en tirer. Voilà, ça c'est fait, première tentative, échec. C'est courant, je crois qu'il faut pas, il faut pas se démoraliser, voilà, c'est comme ça. J'ai eu un très 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 mauvais début de partie, une très mauvaise mise en place, en fait, tout simplement. Et voilà, on ne peut rien faire contre ça. Certains pourront reprocher ça au jeu, de proposer des mises en place infaisables. Il y a de temps en temps des scénarios comme ça, rassurez-vous, si vous n'avez que la boîte de base, ce scénario fait office d'exception et reste encore aujourd'hui un des plus difficiles à jouer en solo, 9 ans plus, bah, 8 ans plus tard. Donc, il ne faut pas se formaliser là-dessus. Ce scénario n'a peut-être pas été très bien calibré pour une boîte de base. Maintenant, si vous êtes à deux joueurs ou si vous jouez avec deux decks, ce scénario est tout de suite beaucoup moins difficile. Beaucoup moins difficile parce que vous avez cinq héros pour gérer en début de partie. Et même si c'est qu'un seul allié pour l'ensemble de la table, hein, ce qui peut paraître, ça ne fait qu'un demi-allié par personne, alors qu'ici j'ai droit à un allié par personne. La faiblesse d'en avoir que deux héros n'est pas compensée par cette capacité d'un seul allié pour toute la table. Donc c'est beaucoup plus faisable en duo parce que vous pouvez beaucoup mieux gérer
Le début de partie qui est crucial en fait, c'est ça vraiment le moment le plus crucial, le plus sensible, c'est vraiment le tout début de la partie. Donc voilà, je réinitialise et on se retrouve tout de suite pour un deuxième essai. Voilà, je suis prêt pour la seconde tentative. Un petit coup de mélange sur un deck de rencontre, un petit coup de mélange sur le deck des joueurs, histoire de bien montrer qu'il n'y a pas de trucage. Hop, hop. Voilà, et c'est reparti, main de départ. Alors, Provodor, attaque furtive, toujours vigilant, pierre de scellé brillant, traqueur du nord, pff, vraiment qu'un allié. De nouveau, c'est une main intéressante avec des bonnes cartes, mais qui sont en l'état pas optimales pour débuter la partie. On va tenter autre chose. Donc, deuxième tentative. Quel est le taux de réussite sur ce scénario? Eh bien, j'ai un taux de réussite sur ce scénario qui est de 60%. Ça peut paraître énorme, mais quand même 60% en choisissant le prisonnier. Donc, j'ai toujours choisi le prisonnier plutôt que de le tirer au hasard en me disant que, de toute façon, c'est une chance sur trois d'avoir le bon prisonnier. Donc, mon 60%, ben, en fait, c'est 60% de réussite sur un tiers des cas possibles. Donc voilà, vous faites le calcul. Bon, je ne dis pas que j'aurais perdu toutes les autres, hein, mais vous faites le calcul. Voilà, je suis en grosso modo peut-être à 30%, 25, 30% de réussite en réalité sur ce scénario si je jouais avec les règles complètes. Mais ici, je choisis de jouer avec les règles complètes parce que voilà, hein, c'est la SDAJCETV, c'est une vidéo, et il faut jouer correctement. Donc, je ne me permets pas de choisir le prisonnier. Pour vous montrer la réalité des choses aussi, hein, et que c'est normal de perdre souvent sur ce scénario, hein, malgré mon expérience assez importante sur le jeu, hein, ça fait 8 ans que je joue maintenant. Vous voyez que, voilà, quand le deck de rencontre ne veut pas, il ne veut pas. Alors ça, c'est pas une très bonne carte en main de départ. Ça, oh là là, des alliés, s'il vous plaît. Ah mais non, mais ça c'est cher. Ah, oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Avec une main de départ pareille, je vais pas aller loin. Alors, les objectifs protégés. Un geôlier. Bon, il n'a que un de menace, 38, ça va encore. Ça, c'est très bien. À la merci du nécromancien, il n'y a personne d'incliné, donc c'est une carte sans effet. Ça, c'est bien. Et enfin, troisième, la clé de l'ombre, protégée par les montagnes de la forêt noire. Pas bien, parce que ça stack la zone de cheminement. Bon, il n'y a que trois dans la zone de cheminement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. J'avais eu Eowyn la dernière fois. Ce sera Théodrette cette fois-ci. Ça, c'est pas trop mal. Bon, je vais manquer de ressources, mais de toute façon, vu ce que j'ai en main, je sais pas si c'est grave. Ok, c'est parti. Ressources. Pioche. Ah, Gandalf. Mais cette fois-ci, j'ai pas d'attaque furtive, évidemment. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Bon, j'ai Eowyn, c'est la bonne nouvelle. J'ai pas de régénérateur de ressources, c'est la mauvaise nouvelle. Allez, c'est parti, une ressource, éclaireur du Snowbourne. Et voilà, il peut mettre un jeton, je mets un jeton. Les autres, je vais mettre du temps à pouvoir les jouer, beaucoup de temps. Alors, il est toujours risqué de mettre uniquement Eowyn en quête, parce que si les orques de Dol Guldur débarquent, bim, ça fait mal. J'ai pas l'intention de m'attaquer au geôlier des cachots tout de suite. Il me faut un succès de quête. Donc je vais tenter 6. 6 contre 3. Une grande toile de la forêt. Ça fait 6 contre 5. Je mets un jeton, c'est un succès de quête. Ah, alors, vous voyez que je ne défausse pas les cartes avec la capacité d'Eowyn. Je ne le ferai que vraiment si c'est indispensable.
Alors, je suis embêté. Je suis très embêté parce que la grande toile de la forêt, je ne peux pas y voyager. Parce que le trajet dit, chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Je n'ai pas de héros à incliner. Donc, je ne peux pas. La montagne de la forêt noire me dit de révéler la première carte du deck de rencontre et de la placer dans la zone de cheminement. C'est très moche. Maintenant, l'effet réponse, il est plutôt sympa. Chaque joueur peut chercher une carte parmi les 5 premières de son deck et l'ajouter à sa main. Je prends le risque. En espérant que ce ne soit pas pire. Rivière enchantée. Bon, ça stack la ZC, c'est pas bien. Mais la rivière enchantée, c'est pas terrible. C'est pas si mauvais. Redresse tout le monde. J'augmente la menace. Je passe à 30. Ressources. Pioche. Et je ne vais rien pouvoir jouer ce tour. Ça, c'est très embêtant. Ah, c'est patience, hein, quand le tracker du Nord sera là, ça va bien aider. Mais en attendant, ça va prendre encore 2 tours. Je refais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis à 6 contre 5 seulement. Il y a un échec de quête, c'est un objectif qui s'en va. Maudit 1. Et je suis à 6 contre 7. Un échec de quête de 1. Et je dois mélanger une carte. Je vais prendre... Ah, j'ai voyagé. Ouais, bon. Je vais voyager. Je vais prendre la clé de l'ombre, hein, qui est quand même le plus contraignant des objectifs. C'est toujours le dernier qu'on récupère. Ah oui, en plus, il va falloir attendre que ça ressorte, etc. Bon. Allez, encore un tour à tenir, puis je pourrais jouer le Tracker du Nord. Et le Tracker du Nord mettra 2 tours à virer les lieux, ça va prendre un peu de temps. Ce serait bien d'avoir un petit attendant. Ça est très bien. En attendant, le garde de la caverne, il m'engage, et je vais le défendre avec l'éclaireur du Snowborn. Oh non. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur en défense. Bim, bim. Donc ça tue mon éclaireur du Snowborn. Donc du coup, l'attaque devient sans défense. Alors, une carte alliée a quitté le jeu. Je vais piocher 2 cartes. Sacrifice héroïque. Ah, l'intendant. Mais l'attaque devient sans défense. Et donc, je vais mettre 2 dégâts sur Aragorn. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça fait mal, ça. Poursuivant. Je peux pas le jouer tout de suite, l'intendant, j'ai pas la ressource. Ah, c'est épouvantable. C'est littéralement épouvantable. Oh là là. Mais je vais juste mettre 4. Et je rajoute déjà, je mets 5 contre 5. C'est une catastrophe. Un autre joli. 5 contre 6. Je fais un échec de quête de 1 encore. Et je vais mélanger la torche du donjon. Ah mince, j'oubliais qu'il fallait que je le défende, le garde de la caverne, donc je pourrais pas le taper avec Aragorn. En fait, oui, non, la ressource d'Aragorn, je devais la garder pour jouer l'intendant. Poum, poum, poum. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre. Je vais défendre avec Aragorn. Et mes attaquants gagnent plus 1. Tout va bien. Reste tout le monde, j'augmente la menace, je passe à 35. J'ai enfin les 4 ressources pour jouer le Tracker du Nord. 2 ressources pour jouer l'intendant. Alors l'intendant, il est quand même fait pour être joué sur un héros commandement.
Maintenant, Aragorn va pouvoir aller en quête et se redresser. Bon, il y a 6 dans la zone de cheminement, ça commence à faire beaucoup. Et le geôlier m'a déjà éliminé 2 objectifs. Le troisième, je pourrais le récupérer, mais je le récupérerai en temps utile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je redresse Aragorn. 7. Chaque joueur défausse toutes les cartes événements de sa main. Ah, c'est dommage, ma stratégie était basée là-dessus. Mais j'aurais dû la jouer avant, hein, je suis bête. Bon, 3 événements qui s'en vont. Oui, le toujours vigilant, hein, pour redresser le tracker, pour défendre et tuer avec Aragorn. Aïe, 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 j'ai pas bien joué sur ce coup-là. Si en plus je fais des approximations, ça ne va pas le faire. Et donc, je dois défendre. Donc, j'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 contre 6, c'est un succès de quête. Et si je défausse une carte, je peux même passer le lieu. Ouais, mais défausser un allié. Non. Bon, alors, maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de boost. Si je perds Aragorn, c'est la fin de partie, autant vous le dire tout de suite. Il n'y en a pas. C'est défendu. C'est bien. Allez, l'espoir renaît. On redresse. 36 de menace, ça monte. Faramir. Ah, intéressant. Beaucoup plus intéressant que mon archer du cours d'argent. Et je vais le jouer tout de suite, évidemment. Du coup, je pourrais pas mettre Aragorn en quête, mais ça c'est pas un souci. Parce qu'avec le tracker, je vais faire sauter les 2 lieux qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça c'est très très bien. Le tracker du Nord c'est super fort. 2 lieux explorés d'un coup. La menace retombe à 2 dans la zone de cheminement. On n'aurait plus qu'à espérer que ce soit pas un ennemi qui tape fort, genre chef Uftak. Allez, hop, col du nécromancien. C'est pas grave, ça va partir aussi. Donc c'est 5 contre 5. Le garde de la caverne, j'incline Faramir, qui défend et qui ne prend pas de dégâts, et Aragorn le tue. Ah! Le problème, c'est que je me rapproche de la valeur fatidique de 38, qui est le coût d'engagement des geôliers. Je suis à 37. Qu'est-ce que je vais piocher ici? Un autre Faramir, ça c'est totalement useless. Enfin, quoique non, c'est un de volonté pour Éowyn. Bien, figurez-vous, j'espère qu'il n'y a pas de maudit 1 cette fois-ci, parce que je vais garder mes ressources pour pouvoir jouer Gandalf plein pot, tant pis, pour baisser ma menace tour prochain. Parce que là, je ne peux pas gérer les 2 geôliers en même temps. Alors vous allez me dire, mais chef, mets ton archer. Si je mets mon archer, je pourrais pas jouer Gandalf. Ah oui, mais il est neutre, Gandalf. Ouais, c'est juste, j'ai les ressources d'Éowyn. Je pourrais même le jouer maintenant, en fait. Baisser ma menace. Et donc, du coup, je pourrais forcément le jouer le tour prochain. Là, je prends le risque. Je vais juste mettre l'archer du cours d'argent ce tour-ci. Que j'ai besoin d'alliés. Et au tour prochain, je paye Gandalf plein pot si j'ai pas pioché autre chose. Il y a 5 dans la zone de cheminement. 1, 2, 3, 4, 5 d'office. 6 avec le tracker. Et je pourrais éventuellement incliner Faramir pour passer à 8 si c'est nécessaire. Deux, ça va. Ça a lieu, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'incline Faramir maintenant. Je peux déclencher son action. Je passe donc 5, 6, 7, 8. C'est un succès de quête de 1. Ce qui me permet d'explorer le lieu ici.
Je peux chercher une cape parmi les 5 premières de mon deck et l'ajouter à ma main. Alors là, ça va être intéressant. Oui, oui, c'est pas terrible. Oh là là. Pff, ah, TSV, c'est toujours bien. Mais une salutation des Galadrim pour maintenir ma menace basse. Ouais, je prends ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir une attaque furtive. Mais au final, je suis bien content de remélanger mon deck parce que ce qui est arrivé n'était pas terrible. Alors, un des secrets de ce scénario, c'est qu'une fois qu'on arrive plus ou moins à tenir, comme je le fais là maintenant, c'est surtout de prendre son temps et de pas se précipiter pour libérer le prisonnier. Parce que libérer le prisonnier signifie faire venir le Nazgûl. Et le Nazgûl, c'est une grosse difficulté supplémentaire. Alors, je ne vais pas voyager. Ah, quoique, je pourrais voyager vers la grande toile de la forêt, parce que je peux incliner un héros que je contrôle. Ah oui. Alors, quand on a un tracker, est-ce que c'est intéressant de voyager? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Dans ce cas-ci, oui. Pourquoi? Parce que ça va baisser la menace de la zone de cheminement et si j'ai des échecs de quête, ben, j'ai des objectifs qui s'en vont. Et j'en ai déjà perdu 2. Ouais, donc, il faut que j'essaie de temporiser pour le temps de les récupérer. Donc, ça va être une partie assez longue. Je pense pas que je ferai un troisième essai derrière celle-ci, si je la perds. On va bien voir. Alors, voilà. Et donc, j'ai la possibilité de le faire. Je voyage vers la grande toile de la forêt. 2 jetons à mettre, c'est pas terrible. Là, le fait d'incliner un héros n'a aucun impact ici, parce que de toute façon, je n'aurais pas pu gérer un geôlier. Voilà, et le col du nécromancien, lui, va sauter avec le tracker à la prochaine phase de renforcement. Je passe à 38. Ah non, j'avais espéré jusqu'au bout piocher une attaque furtive, mais non. Et donc avec l'intendant, j'ai 6 ressources, donc je vais dépenser 5 ressources. Ça, c'est dur, ça fait mal, mais Gandalf pour baisser une promo. Ou alors, attendez, parce que j'avais les 3 ressources de... J'avais les 3 ressources pour jouer ma salutation des Galadrim. C'est ce que je fais. Baisse ma menace de 6. Ouf, ça me permet de souffler un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, explorer le col du nécromancien. Ça, c'est très bien. Il n'y a plus que 2 dans la zone de cheminement. Et je rajoute 6. Ouais, je rajoute 6. Je rajoute 1, ça fait 6 contre 2. Je garde pour gérer des ennemis. Nécessaire. Porte de la tour, ça c'est un qui va être aussi exploré par le tracker gentiment. Ça c'est bien. Enfin, 6 contre 4, un succès de quête de 2. C'est très bien. Et en fait, je vais même incliner Faramir pour passer à 8 contre 4, c'est un succès de quête de 4, et commencer à avancer sur la quête. J'ai dit qu'il faut pas se presser, mais ça n'empêche pas quand même d'avancer un peu. Je redresse tout. J'augmente la menace. Alors mon problème ici, c'est, vous l'avez vu, c'est la pioche. Et une attaque furtive. Ah, ça par contre, c'est très très bien. Parce que je vais pouvoir l'utiliser, et peut-être sans doute pour piocher. Mais je préfère attendre d'être en phase de combat, parce que l'événement les yeux de la forêt, il est passé, donc je n'aurai plus à défausser mes événements de ma main. Et en quête, je n'ai pas de soucis pour l'instant. Donc, tandis que si un ennemi arrive, je peux jouer en phase de combat, ça me fera un sérieux coup de main. Un sérieux coup de main pour gérer l'ennemi en question. Donc, je vais continuer tranquillement à faire 5. La porte de la tour est directement explorée. 5 contre 2. Chef Uftak. 5 contre 4. Okay. Alors le chef Uftak, là je suis à 33, donc c'est pas, ça va encore, mais c'est un vrai problème. C'est un des gros problèmes de ce scénario. Parce que c'est un gros ennemi à gérer.
et on n'est pas forcément prêt à le gérer. Donc le chef Uftak, il faut pouvoir l'éliminer au moment où il entre en jeu, enfin où on l'engage au combat. Parce que sinon, il devient de plus en plus fort et ça devient vite ingérable. Donc ça nécessite un peu de réflexion. J'aimerais bien utiliser Gandalf pour piocher. Parce que là, j'ai besoin de pioche, j'ai besoin de cartes. Je suis à 33 de menaces. Il faut 9 pour tuer le chef Uftak. Tape à 3, je pourrais risquer la vie de Faramir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je risque la vie de Faramir. En défendant avec Faramir. Qui peut survivre hein, à l'attaque du chef Uftak. Perdre Faramir serait fort dommage, mais pas dramatique. Tuer le chef Uftak directement, ce serait vraiment une aiguille en moins. Tant que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Parce que son plus 2 d'attaque, il ne l'obtiendra qu'après son attaque. Qu'après la résolution de son attaque. Ça, ça a été bien précisé. Je défends avec Faramir. 3 contre 2. Aïe, aïe, aïe. Choisissez et défaussez un attachement que vous contrôlez. Du coup, j'aurais dû prendre... Hein, j'aurais dû prendre l'objectif. Parce que là, c'est l'intendant qui s'en va. Et ça, c'est moche. Enfin bon, j'ai eu le temps d'accumuler quelques ressources quand même. Faramir prend un dégât. Alors, je joue une attaque furtive. Avec Gandalf, je choisis de piocher 3 cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Le chef Uftak est vaincu et ne m'embêtera plus de tout le scénario. La fin de la phase de combat, Gandalf revient dans ma main. Je dépense une ressource pour piocher 2 cartes. Et je dépense encore une ressource. On peut le faire autant de fois qu'on veut, hein, pour piocher 2 cartes. Et je repioche l'intendant, le troisième intendant. Cette fois-ci, je me ferai plus avoir, je vais prendre la carte de Gandalf. Je redresse tout le monde. 34 de menace. 1, 2. Et je me suis reconstitué une belle petite main. Grâce à Gandalf et grâce au sacrifice héroïque. Très très belle carte, sacrifice héroïque. Honnêtement, c'est une très 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 belle carte. J'ai aussi tenir et combattre en main, mais je pense pas qu'il y ait déjà d'alliés qui soient partis. Ainsi, j'ai une copie de Faramir et j'ai un éclaireur du Snowbourn. Oui. C'est toujours un allié cher à canon. Vous voyez, l'avantage de tenir et combattre, c'est que l'allié qui entre en jeu n'entre pas dans la limite des alliés d'un allié par tour de la carte quête. Pourquoi ? Parce qu'ici, il entre en jeu, il n'est pas joué. Elle est bien précisée, une seule carte alliée peut être jouée par tour. Donc, c'est bien différent jouer et mettre en jeu. Hein, pour rappel, jouer, c'est payer la carte et la jouer de sa main. La mettre en jeu, c'est un autre effet, et le tenir et combattre met en jeu l'allié sous mon contrôle. Donc ça va me permettre, si je veux, de jouer 2 alliés ce tour-ci. Alors je vais évidemment remettre l'intendant sur Aragorn. Je commence tout doucement à être un petit peu mieux au niveau des alliés. Je vais mettre 2 ressources pour mettre un garde de la citadelle. Donc c'est mon allié du tour, hein, celui-là ne comptait pas. Et je vais choisir d'augmenter de 2 ma menace pour récupérer l'objectif, pour éviter d'avoir à... Enfin, c'est une action. Pour éviter de devoir défausser encore un attachement. Mais attention, le héros attaché ne peut pas attaquer ou défendre. Ça, c'est pas un souci. Eowyn, elle n'attaque pas, elle ne défend pas. Je vais peut-être attendre de voir le renforcement. 1, 2, 3, 4. Alors, il est déconseillé d'envoyer Eowyn toute seule. Parce qu'elle a déjà 1 dégât. Et si c'est un orc de Dol Guldur, ça va faire mal. Je la perds, tout simplement. Faramir est déjà blessé. Donc, je le perdrai aussi.
Moi, je vois une carte de la citadelle. 5. 5 contre 2. Moody a un renfort. Ça, ça va être exploré. Bon, ça peut même être voyagé. C'est la fin de la phase, augmentée de X total de menaces à zone de cheminement. X est le nombre de joueurs de la partie, c'est sous l'ombre. Je remonte de 1. Ok, de 1, 2, 3, 4. Je suis à 5. Succès de quête de 1. Je continue petit bonhommement. Mon chemin vers la libération. Alors, la caverne sans fin. Il n'y a que 1 de menace, 3 d'exploration. Mais voilà. Je vais pas prendre 3 tours de Tracker du Nord pour ça. On va voyager. Et en fait, je vais mettre Faramir. Hein. Je peux incliner Faramir hein, pour mettre plus 1, plus 1. Donc je mets 2 jetons de plus. Je passe à 7. Et je voyage. Je vais à 40 sans fin. Ça va me faire gagner encore un peu de temps. Et j'ai les capacités de gérer un geôlier. Toujours pas. En tout cas, toujours pas sans que ça me coûte. On va les laisser là encore. 36 de menace. Pierre de Célébriant. Oh, sympa ça. Tac. Ah bien, je vais pas me faire prier. Je vais jouer la pierre de Célébriant sur Eowyn qui passe à 6 de volonté. C'est presque trop en fait. Que je risque de passer. Mais bon, pas grave, hein. Faut avancer aussi. J'ai de quoi maintenant tenir quand même un petit peu le Nazgûl à distance. 6, 7. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait faire gaffe à lui. Hein. Premier jour, choisis un personnage engagé dans la quête, affiché 2 points de dégâts à ce personnage. Alors, je pourrais annuler. Mais comme j'ai prévu le coup, je ne le fais pas. Donc je repasse à 6. 6 contre 4, ça fait 2. Alors je vais pas incliner Faramir pour ça. J'ai encore du temps. Il m'engage. Tape à 2, je défends avec le tracker. Il n'y a pas d'ombre. Aragorn tue les orques de Dumbledur, donc c'est pas des ennemis très méchants, mais leur effet révélation est quand même assez pénible. Oui, je prends mon temps, c'est tout à fait volontaire. Il faut prendre son temps sur son scénario, être sûr de pouvoir avancer avant d'aller plus loin. C'est indispensable. Hop, je remets un garde de la citadelle pour ce tour-ci. Et au prochain tour, peut-être un tracker, à moins que je n'attende encore un tour pour avoir testé sa volonté, prêt à jouer. Bah, on va refaire pareil. 6, 7. Il faudrait que je réfléchisse à gérer... faut d'abord que je réfléchisse à gérer un geôlier. Je suis à 37 de menace, ils me tombent tous les deux dessus en même temps. De 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le souci, c'est que j'ai pas de défenseur capable de le gérer. Combien d'orques de Dumbledore sont déjà sortis? 2. Il en reste 1 donc dans le deck. Donc, je peux en gérer un, mais alors ça me nécessitera un sacrifice, pas si grave.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je reste à 7. Pris dans la toile. Ça, c'est très très embêtant. C'est vraiment une carte parmi les plus pénibles. Je vais l'annuler. On va tester sa volonté parce que c'est vraiment très très moche. Et 7 contre 2, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne passe toujours pas parce que je n'ai toujours pas récupéré d'objectif en fait. J'ai 11 jetons, mais je n'ai toujours pas récupéré un seul objectif. Et je ne vais pas le faire maintenant, parce que ça augmente ma menace et les deux m'engageraient. Donc je vais tranquillement continuer à nettoyer. J'engage à jouer les cachots. Alors si je veux mettre mon plan en exécution, je dois le défendre avec un sacrifice. Alors pourvu que ce ne soit pas la même chose que tout à l'heure. Joueur en défense augmente de 4 son niveau de menace. Stress en voyant le rejeton de Ngoliant, mais voilà. Bon, 41, c'est pas gay, mais il se passe rien d'autre. Le clan du Snowborn est vaincu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci va dans la pile de victoire, ne m'embêtera plus. Notez que les deux objectifs que j'ai remélangés sont toujours là. Le redresse tout le monde. Quarante-deux de menaces. Mais toujours un Gandalf en main. Courage inattendu. Mouais. Surtout pour Théodred, ça. Hop. La menace n'est pas vraiment un problème. Je peux encore attendre. Parce que je sais que j'ai encore au moins deux attaques furtives là-dedans. Donc avant de payer Gandalf plein pot. J'ai de quoi quand même plus ou moins tenir à peu près tous les ennemis du jeu. Le rejeton est parti, le chef Ouftak est vaincu. Donc il y a des solutions. J'ai un pour le Gondor en main dans le pire des cas. Donc on va y aller tranquille. Je vais y aller à deux avec Aragorn que je redresse. Je vais garder Éowyn. Ça sert à rien de vouloir en mettre plus. Mais je peux pas l'envoyer tout seul non plus en fait. C'est pas une solution si je pioche un orc des Dol Guldur. Donc du coup, je vais pas faire ça. Je vais rester. Enfin, quoique, il y a aussi des à la merci du nécromancien qui traîne. Hein. C'est une carte aussi, ça. Il y en a deux qui sont sortis. Aragorn, il ne sera pas incliné. Donc, hop. 3. 3 contre 1. Donc, j'ai mis Aragorn que j'ai redressé par sa capacité. 3 contre 1. Je n'ai pas besoin de plus. Il faut que je me Faramir pour passer à 5. Ça fait 3 contre 3. Avec le maître des bêtes de Dol Guldur. Alors, mon problème ici, c'est que les deux ennemis vont m'engager. Et le maître des bêtes va avoir un effet d'ombre supplémentaire. Bon, j'ai deux défenses à faire, une défense à 3, une défense à 2. C'est peut-être le moment de sortir le pour le Gondor. Donc plus un à tous mes personnages qui en attaque, mais aussi plus un de défense au Gondor. Faramir, il est Gondor. Je vais défendre à 3 avec Faramir. Sur le maître des bêtes. Ah, le joueur en défense doit incliner un personnage qu'il contrôle. Pourquoi c'est toujours dans ces situations-là que ça arrive? Tchut. Et là, il n'y a rien. 3 pour 3, il ne se passe rien. Mais du coup, je pourrais pas tuer les ennemis et ça m'embête. Ah, mais si j'ai le plus 1 d'attaque, suis-je bête?
2 pour 2, le tracker, il ne se passe rien. Et là, je tape à 4, 7. Je peux éliminer le maître des bêtes de Dobudu. J'ai de la chance, pour le moment, les objectifs ne sont toujours pas partis en effet d'ombre. Il me reste donc un joli à gérer au tour prochain. Je redresse tout le monde, j'augmente la menace. Source, tu as 43 de menace, pioche. Toujours vigilant, ok, c'est pas mal pour redresser un allié. J'ai 4 ressources, je crois que un allié aussi solide que le Tracker du Nord, c'est prioritaire. N'y a plus rien du tout de la zone de cheminement, j'ai pas pris mes ressources de l'intendant. Très bien, ben, je vais faire enquête un Aragorn comme tout à l'heure, je dépense une ressource pour le redresser. 3. C'est un conduit par l'ombre, il n'y a pas de carte dans la zone de cheminement, donc ça gagne renfort. Un autre maître des bêtes. Cette fois-ci, j'ai pas de pour le monde. 3 contre 2, ça fait un jeton de plus. Je commence à les empiler, j'en ai 9 plus une pile. Je passerai à l'étape suivante quand j'aurai un moment de répit. Là, c'est pas trop le cas. Ça m'inquiète aussi de voir partir en ombre. Faramir, cette fois, ne va défendre que le geôlier des cachots. J'augmente mon niveau de menace du nombre d'ennemis engagés au combat avec moi. 2. Et alors, je vais défendre avec un tracker du Nord, un maître des bêtes, pas d'ombre. Pas d'ombre et malheureusement, une clé de l'ombre qui s'en va. Et donc, un dégât pour le tracker. J'ai encore largement de quoi tuer le maître des bêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc toujours un geôlier à gérer pour plus tard. Ok, alors la menace commence à monter beaucoup. 46, ça devient dangereux. Ah là là, la pioche ne suit pas vraiment. Quarante-six. Ce serait bien de garder Gandalf pour l'arrivée du Nazgûl, hein. Il est à 40 le Nazgûl, donc il m'engagerait direct. Chaud. Tant que j'ai encore un geôlier à gérer, c'est compliqué. Mais Gandalf, j'ai un toujours vigilant en main. Pour l'adresse, donc il pourrait défendre le Nazgûl, puis être disponible pour attaquer. Il faut 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et puis une défense du geôlier. Maintenant, s'il y a encore un ennemi, là, ça sera chaud. Alors, augmenter ma menace pour. Faut augmenter sa menace pour récupérer l'objectif aussi. Hein. Ah là là, il reste encore beaucoup de cartes là-dedans. Il y a des salutations, il y a des attaques furtives. Pas de cartes dans mon deck. Je tente encore un tour de tempo. Je crois pas qu'il existe de cartes qui vont monter ma menace de 4 d'un coup dans ce scénario. Comme tout à l'heure, Aragorn y va avec le garde de la citadelle pour 3. Chaîne en fer, ça va, ça c'est pas méchant, ça va sur mon deck. Prochaine fois que je pioche, je dois défausser les chaînes en fer à la place. Ça fait 3 jetons de plus. J'ai un geôlier des cachots. Hop. Je vais pouvoir enfin l'éliminer. Donc je vais défendre le geôlier avec le tracker déjà blessé. N'y a pas d'ombre. Se passe rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très bien.
Je redresse tout le monde. Je prends la menace. 47. Ressources. Je peux pas piocher. Hop. Non, non, ça va là. Ça va de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, je crois vraiment que je vais tenter le... Ah, quoique, je vais attendre. Je vais attendre après la phase de quête, en fonction du renforcement. C'est une action, donc je peux le faire quand je veux. Donc, je continue de la même façon. Aragorn reste redressé et lui pour temporiser des dégâts au cas où. Ça fait 3. Et voilà, le dernier orgue de Guldur. Je savais bien que ça arriverait. 3 contre 2, ça fait encore un jeton de plus. Bon, alors, réfléchissons. Gérer le Nazgûl. Ah ben non, parce que pour ça, il faut que je joue Gandalf plein pot. Oh, mais quelle bièce! Que je suis bête! Aïe, 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 il va falloir que je tienne encore un tour comme ça. Un prochain tour, je joue Gandalf pour baisser la menace. Donc ça va être un cas facile. Le deuxième objectif qui part en effet d'ombre. Punaise, ça va me prendre 2 heures cette partie. Ah! Il se passe rien. 1, 2, 3. Un Caragorn éliminé. Reste tout le monde. J'augmente la menace. Ça va me prendre 2 heures. Les deux objectifs sont partis en nombre. Bon, cette fois-ci, je ne joue plus avec le feu. Tant pis, hein, les attaques furtives ne sont pas sorties. Elles sortiront peut-être plus tard. 3, 4, 5. Gandalf, je baisse ma menace de 5. Quand même encore à 43. Je peux pas jouer d'autres alliés. C'est mon seul allié joué ce tour-ci. Et alors, j'ai les ressources. Je vais jouer Courage Inattendu. Ouais, non, je vais attendre de récupérer Théodred, parce que c'est pour bientôt. Alors là, je vais augmenter 2 ma menace, parce qu'il le faut pour récupérer l'objectif. Et je passe immédiatement à l'étape suivante. Le héros peut pas attaquer ou défendre. J'ai peur, évidemment, de périr à la menace à cause de ces objectifs qui sont partis en nombre. Hein. J'ai bien peur que je perde cette partie à cause des objectifs qui sont dans la défausse. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Donc, voilà. Ici, il y a toujours la contrainte d'un allié par tour, mais dès que je mets une ressource sur cette carte, je récupère Théodred. Et donc, je vais quêter 1, 2, 2... d'orgue de Guldur. Il n'y en a que 3, je pense, dans le deck. Il y en a 3, il n'y en a pas 4, il y en a 3. Je suis quasiment certain qu'il n'y en a que 3. Je mets un quatrième, je vais râler. Je mets juste 6. Roi araignée, évidemment. Évidemment, faut que je me tape un truc chiant comme ça. Au moment où je gère le Nazgûl. Donc 6 contre 2, ça fait 4. Et je récupère Théodred avec une blessure sur lui. Et donc du coup, le Nazgûl débarque. Et il m'engage, puisqu'il est à 40, je suis à 45. Mais le roi araignée va vraiment m'embêter. Bon, le bon côté des choses, c'est que je vais pouvoir remélanger ce deck de rencontre. C'est Gandalf hein, qui va... Donc, quand un effet d'ombre est résolu sur le Nazgûl de Dos Guldur, le joueur engagé doit choisir et défausser un personnage qu'il contrôle. Ça, ça fait très mal. Il n'y a pas d'ombre, et ça, c'est très bien. Je vais redresser Gandalf avec un toujours vigilant. Il me faut 12, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ça va. Donc le roi araignée. Ah oui, j'ai pas incliné de personnage. Oui, trop facile, chef. Donc il faut que j'incline un personnage, suite à la révélation du roi araignée. Bah, j'incline Faramir. Voilà, c'est réparé. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je dois absolument garder de quoi. Gérer le Nazgûl. Je vais défendre
avec mon tracker du Nord. Et là, si j'ai incliné un personnage que vous contrôlez, je vais exploser. C'est bon. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'élimine le Nazgûl de Dol Guldur. Alors, le problème, c'est que le gaillard, il n'a pas de point de victoire. Donc, il peut revenir. Ça, c'est un vrai problème aussi. Et je suis extrêmement content d'avoir pu gérer le Nazgûl immédiatement. C'est quasiment indispensable, hein, quand vous jouez l'évasion de Dol Guldur, de gérer ce Nazgûl dès que possible. Parce que ça ferait une vraie plaie, c'est 5 de menaces dans la zone de cheminement, donc ça il faut pouvoir les aligner, si vous êtes en dessous de 40, si vous êtes au-dessus de 40, c'est il fait très mal, il tape à 4, hein. Bon, Gandalf, lui, il peut encaisser, c'est pas un souci, mais... Ouais, il fait très mal, il tape à 4. Dans le contexte d'aujourd'hui, un ennemi qui tape à 4 ne fait plus si mal, mais dans le contexte du corset, évidemment, c'est autre chose. Une zone de cheminement vide. Le problème, c'est que je ne peux pas passer à l'étape suivante tant que je n'ai pas récupéré les 3 objectifs. Ce qui veut dire encore augmenter ma menace de 4. Il va vraiment falloir que je pioche les attaques furtives et les salutations des Galadrim qui restent. Hein. Oui, je viens de mélanger le deck de rencontre. En fait, j'aurais dû le faire au début de la phase de quête. Et bon, ici, ça ne change rien. 46 de menace. Gandalf nous quitte. Et là, il va vraiment, vraiment falloir piocher quelque chose qui baisse ma menace. Sinon, ça va être mort à la menace et ça va être très, 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 très dommage. Toujours pas. Ah oui, tu es en train de prendre une ressource aussi maintenant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis riche. Je peux me payer des alliés à chaque tour. Et mettre un courage inattendu sur Théodred. Alors, je vais quitter à 6, 7. Je rajoute une ressource au Réowin. J'ai pas d'événement dans ma main. Donc, 7 jetons en plus. Oh là là. Bon, vous allez me dire, de toute façon, Shep, t'aurais pas pu récupérer les objectifs, t'as qu'à 46 de menace, vous avez pas tort. Tout à l'heure, j'ai défendu avec un tracker, le roi araigné, qui a dû prendre une blessure, hein. Il défendait que Faramir. Oh, 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 le Nazgûl qui part en nombre. Ouh! 1, 2, 3, 4, 5, boum. Ça, c'est bien, par contre. Maintenant, tout ça ne va pas me faire gagner la partie. Bon, voilà. La situation est claire. On est dans une situation qui arrive fréquemment. Qui arrivait fréquemment, effectivement, quand on jouait au début du jeu. Ouf, Gandalf. Allez, on y croit. C'est une situation vraiment tendue au niveau de la menace. Situation très tendue au niveau de la menace. En fait, là, je suis en place, c'est-à-dire que je peux à peu près gérer tout, sauf la menace. La quête, ben, je suis à 11 jetons, je peux mettre les jetons qui restent comme je veux. Il faut juste que j'attende que les objectifs sortent et espérer qu'ils ne repartent pas en nombre. Je pense pas que je vais sauter cette fois-ci. Un petit éclair du Snowbourne. Ça va un petit peu économiser mes trackers et Faramir qui commencent à souffrir un peu. Comme tout à l'heure, je mets 7 et je redresse Théodred.
Je mets une ressource sur Eowyn. Ah oui, hein, il y a pas chaque personnage incliné. Donc Eowyn, je vais vraiment l'économiser maintenant. La 2 dégâts. 7 contre 0. Bon voilà, j'ai ce qu'il faut. J'en ai même 3 en plus. Alors, je ne vais pas m'amuser à les accumuler à l'infini. Hein. Voilà, bah, fin du tour. On reste tout le monde. 48. Je vais vite manquer de ressources à ce rythme-là. Allez, 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 allez. Faramir, non. 48, je ne vais pas prendre le risque à 48. Je joue à Gandalf plein pot. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse ma menace jusqu'à 43. C'est embêtant parce que c'est déjà deux Gandalf qui partent. Pour une seule attaque furtive. Bah, 43, ça me donne un peu d'air et c'est Gandalf qui va quêter. Faire quêter Gandalf, c'est totalement idiot en fait. Parce que c'est mon meilleur défenseur. Chef, tu fais des conneries. Donc je vais engager Aragorn qui va se redresser. Comme ça, il n'est pas sensible à la merci du nécromancien. Et je vais l'accompagner avec. Un éclaireur du Snowbourne, je suis à 2 toujours. Avec Faramir qui peut passer à 4. 2 pour 2. Maître des bêtes. Gandalf qui défend. Pas d'ombre, pas d'ombre. Et puis mettre 6, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5. J'en peux pas avec Elwynn. 6. Hop, voilà. Bon, c'est parti pour une longue phase très ennuyeuse dans cette partie. Je vais essayer de faire au plus vite. Je vais même peut-être accélérer la vidéo en fait, pour que ça passe plus vite. Parce que là, on va bien se faire chier à attendre que les objectifs sortent. Tout qu'aventureux. J'avais ça dans mon deck, moi. Et oui, j'ai baissé ma menace avec Gandalf, c'est juste, je ne pouvais pas me permettre de piocher des cartes. Ok, ben on fait pareil. Hein. Aragorn qui se redresse, accompagné de. De l'éclair du Snowbourne. Renfort, c'est bien. Ça meule. Je suis à 2, j'incline Faramir, je passe à plus que 2, c'est bon. Les trackers exploreront sans souci le col du nécromancien. 45. J'ai pas mis les tombes de nains, moi, dans ce deck. Si, j'ai forcément mis les tombes de nains, c'est une trop bonne carte. Ouais. J'ai un doute. Si je les ai pas mis, c'est une grosse erreur, mais ça m'étonnerait que je les ai pas mis. Bon, alors on va mettre cette fois-ci deux trackers et l'éclaireur du Snowbourne. Encore un col du nécromancien, 3 pour 3. Ah non, je suis à 2. Faramir, hop. Ce qui me fait 5 pour 3, ça passe. 46. Ah, yes, salutations. Ça, c'est bien. Trois ressources bleues. Hop, je passe à 40. Je continue d'alimenter Aragorn en ressources, mais c'est plus vraiment nécessaire. Ben, on va faire comme tout à l'heure, hein. Les deux trackers avec un éclair du Snowbourne. Pris dans la toile. Ah, je peux pas l'annuler. Le roi attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration à moins de dépenser deux ressources de sa réserve. Ça va. Les ressources j'en ai. Je vais même mettre ça sur Théodrette parce qu'il a courage inattendu. Ce n'est plus du tout aussi embêtant que tout à l'heure. Encore un plan turé succès de quête.
m'amuse plus à mettre les jetons, hein. Si vous voulez faire le compte, faites-le. Ou je le ferai peut-être sur la vidéo en incrustation. On envoie la menace. Bon, quand je serai à court de jetons ressources, je n'en poserai plus. Une attaque furtive, il n'y a plus qu'à attendre le Gandalf. On repart comme tout à l'heure. Aragorn qui se redresse. 1, 2. Cure du Stormbourne. Moudia. Ah oui, il y a ça. 2 pour 2, ça passe. Il faut encore défendre ces bêtises-là. Et la défense, c'est pas spécialement le point fort hein, du deck. Faramir, parce que j'en ai un autre en main, je peux me le payer. Il n'y a pas d'ombre. Aragorn, 1, 2, 3. On débarrasse de ceci. On redresse tout le monde. 43. Un snowboard, bah écoutez, je vais le jouer, hein. La chair à canon. Comme tout à l'heure. 1, 2. Caragande qui s'en dresse. Un snowboard. Montée de X total à la zone de cheminement. X étant le nombre de jours de la partie. Ça va, ça fait 1. C'est encore un succès de quête. Tout va bien. Je redresse. Voilà la menace. 44. Un pour le Gondor. Ah là là. Il reste plus beaucoup de cartes dans le deck. Hein. On continue. Le petit manège. 1, 2. Toujours extensible à 4. 2 pour 2. Ça va rester là. Ce sera exploré par un tracker. Hop, on redresse. 45. Oui, j'ai pas pioché, moi. Ah! Il faut un Gandalf ou un salutation! Il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Ah là là. Ici, on va se la faire tracker. Hop, qui explore ceci. Un éclaireur. Et il y a encore Aragorn. Hein. Maudit. Ah, c'est pas le moment! Renfort. Oh là 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 là! Chaque personnage engagé dans la quête perd moins 1 jusqu'à la fin de la phase. J'avais mis que 3. Même si j'incline Faramir pour redonner le plus 1 à tout le monde. Aïe aïe aïe! Je fais un échec de quête. Je ne suis qu'à 3. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ça va peut-être me coûter la game. Ça va peut-être me coûter la game. Caverne sans fin. Je mettrai des... Ah là là. Ah oui, j'ai plus pensé à ça. C'est le Touk qui va défendre ça. C'est pas possible! Ce jeu se paye ma tête! C'est pas possible! Oh là là, mais c'est nul! C'est archi nul! Moi, je suis désolé, je l'ai gagné cette partie. C'est pas possible, quoi. 3, 5, 7, 9, 11. Ben, il me restait tout juste de quoi le tuer. Mais c'est pas possible, hein! Mais là, c'est foutu, les gars. C'est vraiment foutu, quoi. Je ne tiendrai jamais encore un tour complet du deck de rencontre. C'est vraiment nul. C'est un bug. C'est totalement inadmissible. C'est... Je mets 2 jetons ici. Je suis dégoûté. Mais vraiment dégoûté. Ok, c'est un succès de quête. Je passe à 49. Hop, allez, c'est fini. Allez, on oublie. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis, mais ultra dégoûté. Et j'ai pas joué les tombes de nains dans ce deck. C'est quoi ça?
Je joue pas les tombes de nains. C'est quoi cette compo de merde? Allez! Non, 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 je suis dégoûté. Cette partie, normalement, je la gagne. Je la gagne. Je ne peux pas la perdre. Je peux pas la perdre comme ça. Je suis, mais dégoûté. Dégoûté. Il est où le troisième Gandalf? Il est où le troisième Gandalf? Il est là. Je suis dégoûté. Non. Je suis complètement dégoûté. Montagne de la Forêt Noire qui arrive un tour trop tard. Non, vraiment, vraiment, je trouve ça vraiment nul d'avoir perdu comme ça. Alors, bien sûr, hein, ça fait partie du jeu, les jolis les cachots sont là, mais ils auraient dû prévoir le fait que ça parte en carte ombre. Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'on m'oblige à remélanger le deck. Je veux bien encore comprendre. Non, qu'on m'oblige à aller repiocher le deck. Je veux bien encore comprendre, ça te fait perdre du temps. D'accord, ok, c'est une bonne mécanique. Mais le fait que quand ça part en ombre, tu n'aies aucun moyen de les ramener, c'est totalement idiot, c'est totalement débile. Parce qu'après, il faut remélanger. Alors tu peux le faire une fois, mais ça peut revenir une deuxième fois. Et là, ça m'arrive. Et je suis mais complètement dégoûté. Là, vraiment, je suis dégoûté. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Un deck du corset, l'évasion de Dumbledore, je domine le scénario. Et puis voilà, bam, par un coup du sort à la con, non par un bug du développement de jeu. Je suis désolé, ces gens ils savent pas développer leur jeu, ils testent pas leur jeu en fait. Et voilà. C'est une défaite, je suis très fâché de cette défaite. Pour moi je l'ai gagné, ce scénario parce qu'il y a rien qui peut m'arriver, c'est fini quoi. Après il se passe quoi? Je se fais un ennemi garde orc en plus, 7 jetons, le Nazgûl il était plus là, c'était fini quoi, c'était fini. Je suis dégoûté. Voilà, moi pour moi c'est une victoire. Vous voyez, c'est possible de gagner ce scénario. Je le perds uniquement parce que le jeu est mal conçu, tout simplement parce que les objectifs en nombre ne devraient pas repartir dans la défausse, mais devrait retourner dans la zone de cheminement. C'est totalement idiot de perdre comme ça, c'est vraiment perdre au bol. Voilà, je vais te passer une heure et demie de ma vie à soumettre l'issue de ce scénario à la chance, purement à la chance. C'est tout, c'est simplement la chance, c'est simplement je pioche au bon moment la bonne carte. Et ne venez pas me dire, t'as qu'à mettre de la sonde pour pouvoir anticiper. Non, ça changerait rien. Ça ne changerait rien, hein, de mettre de la sonde. J'ai pas la possibilité de remélanger le deck de rencontre avec le corset. Donc, non. Je suis fâché. Voilà, je suis fâché. Exprimez aussi toute votre rage et votre frustration sous la vidéo ici. C'est l'occasion. Merci de m'avoir suivi. Je ne retenterai pas. Donc, pour moi, ceci, c'est presque une demi-victoire. C'est une victoire. Je n'aurais pas pu le perdre autrement. J'avais de quoi, parce que une fois que j'avais baissé ma menace, j'aurais pu récupérer les deux objectifs, passer à l'étape suivante et plier l'étape suivante en un seul tour. Donc à partir du moment où j'étais revenu à 40 de menace, je n'avais plus la moindre crainte. Donc quand j'étais à 46, vous auriez pu me dire ouais, mais t'aurais monté de 4, tu serais à 50, t'aurais perdu. Oui, mais comme j'ai réussi à retomber à 40, je serais passé directement. Et plutôt que ça, j'ai passé des tours et des tours à attendre pour que ça reparte encore en nombre et pour que l'autre il était où, hein, l'autre il était là. Bon, il serait pas sorti après, il n'aurait pas été en effet d'ombre celui-là parce qu'il y avait un lieu avant, donc comme c'était parti là, j'allais probablement l'avoir, mais bon, après il aurait fallu remélanger. Enfin bon, ouais, voilà. Vous avez compris, Shep il est pas content, Shep il va encore rager sur le jeu, mais pourtant il continue de jouer au jeu, c'est donc que le jeu il est quand même bon, hein, mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette partie. J'espère vous avoir montré que oui, c'est possible l'évasion de Dol Guldur en solo. Vous voyez, là, c'est finalement au deuxième essai, hein, deuxième essai de la session que je l'ai eu. Qu'il faut effectivement un peu de réussite au début de la partie, mais comme vous le voyez, il en faut. Il faut pas de la malchance à la fin de la partie, parce que vous voyez où la malchance vous mène. Elle vous mène nulle part. Bon, voilà. J'arrête mon petit laïus de rage. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée ou de nuit
en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je fais un petit coucou à nos amis d'outre-Atlantique qui nous suivent également, hein, depuis le Canada ou d'autres régions d'Amérique. Ça fait plaisir d'avoir vos commentaires également. Allez, salut, salut, à bientôt pour la poursuite de Gollum avec un deck qui contiendra Bilbon Saké. Et oui, rien que ça, ça promet aussi du spectacle. Allez, salut.